Salut YouTube, ça va? Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien modifier mes consoles. Récemment, t'as pu voir la Xbox One et un peu plus loin dans le temps, la tarte Xbox. Et si vous me suivez, vous savez que je fais une émission chaque semaine qui s'appelle RPG. Où je veux revenir, c'est que pour mon outil de travail, qui est une Xbox première du nom, que je me sers pour faire les RPG, j'ai envie de passer de ça, d'intégrer tout ce qu'il y a dedans, là-dedans. C'est une coque de Mega Drive. J'ai envie de vous montrer comment je fais. Nous sommes le 16 janvier. Vois-tu, j'ai déjà commencé. Ce que je n'ai pas filmé, j'en suis désolé. Voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici, c'est un bouton Xbox central manette de 360. Le but, c'est de pouvoir allumer la console. Et derrière, c'est la sortie vidéo de la Xbox. Et ici, c'est la sortie réseau. La carte mère, comment elle est disposée? Je pouvais pas remettre les ports de manette, me servir des ports de manette d'origine. Du coup, j'ai mis une grille derrière. J'ai remis deux ports manette ici. Deux qui sont là, comme ça, si on ouvre le cache voilà, sur le côté de la Mega Drive, et ben on aura accès du coup aux deux autres ports. Voilà, fermé, vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt cool. Donc là pour l'instant, j'ai modifié que le bas de la console. Je vais essayer de filmer un maximum possible. Je vous dis pas que je filmerai tout parce que moi je vais faire pour que la vidéo elle soit cool pour tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà, pas saouler les gens parce qu'il va y avoir trop de trucs techniques soudés, machin, etc. Si vous avez des questions, petit commentaire les gens, moi je réponds. Et si jamais ça vous dit, pareil, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse de voir un peu les consoles que j'ai modifiées? Bien sûr pas l'Xbox One parce qu'il y a déjà une vidéo qui lui est consacrée. La tarte Xbox, là, je vous la remontrerai si jamais je fais une vidéo comme ça. Ici, j'ai la Xbox 360 de ma petite sœur qui est modifiée. J'ai la bande d'arcade que je vous ai jamais montré. La PlayStation 3 et qui est un peu dans la même thématique que la Xbox One. C'est jaune et noir avec une petite déco Fallout. Mais un peu spécial. Bon, ouais, j'aime bien les bidouiller, enfin bref, du coup, ouais, c'est mon kiff. Donc, je pourrais vous montrer un peu tout ça. Si ça vous intéresse, lâchez un petit com, dites-moi, vas-y, je veux voir une vidéo comme ça. Bref, bah, là, je vais filmer un peu, hein. Voilà, on va découper le petit plastique là pour faire un cache. C'est parti. Le bordel, qu'on dirait qu'on a posé une grenade au milieu de la table et... Hello YouTube, troisième jour de la console, RPG Drive, j'ai décidé d'appeler comme ça. Donc où en est-on? Voilà, j'ai placé l'écran comme vous pouvez voir, ça se branche pas sur la prise de ventilateur. En parlant de ventilateur, parce que oui, on fait des montages, mais c'est jamais ultra simple. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, j'ai fait mes petits tests de branchement, de ventilateur. On part sur un ventilateur qui a un fil rouge, un noir, un plus, un moins, hein, n'est-ce pas? Moi, le ventilateur que j'avais récupéré avait des fils de couleurs jaune, vert et je sais plus. Bref, je me suis trompé. J'ai inversé le plus, le moins, ce qui fait que quand j'allumais la console... Ah, allô, Fable, adieu mes enfants, je ne vous oublierai jamais. Du coup, hier, pour ça que j'ai pas filmé d'ailleurs, et excusez-moi, j'ai été racheter une Xbox à Cash Express à Cambrai. T'inquiète, Frangine, je vais bien m'occuper des petits, tu peux partir en paix. Donc aujourd'hui, ça va être je copie le disque dur. Une fois que le disque dur est copié, je vais écrouler ça. Et vous voyez la taille parfaite. Voilà, comme ça, je garde mon système d'ouverture ici pour pouvoir ventiler la console. Et voilà, parfait quoi. Donc on va faire ça. J'ai quasiment pas avancé. J'ai passé la nuit à essayer de faire fonctionner le SSD sur la Xbox. C'était le câble d'origine de la Xbox. Et ça voulait pas fonctionner à cause de ce putain de câble. Voilà, ça c'est celui de la Xbox. Ça c'est celui d'un PC. Et la seule différence, en plus d'avoir plus de fils là-dedans, sont beaucoup plus fins. Et étrangement, une fois que j'ai changé le câble, mon disque dur a fonctionné. Et maintenant, le but c'est de remplacer ça. Mettre ça comme alimentation, parce que ça c'est une alim de PC, ça ne se fait pas aussi facilement. Hein. Non, tu crois? Je ne suis pas électronicien, hein. Juste quelqu'un qui se dit quand on veut, on peut. Il faut apprendre, etc. Un PC c'est 5 volts, sur l'Xbox c'est 3 volts. Ça va être un peu fastidieux, mais j'ai trouvé tous les composants que j'ai besoin pour faire l'adaptateur. En fait, je suis un petit peu fatigué et désolé de prendre du retard du coup pour mon RPG, hein, mais j'ai envie de finir ça et après je m'en mets un donf de vidéo. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Ouais.
J'ai passé quasiment toute la nuit pour faire petite alimentation, n'est-ce pas, pour m'apercevoir vers 4h du matin que la lime ne fournisse pas assez d'ampérage. Clairement, j'en ai plein le cul là, j'avance pas sur mes vidéos, j'aime bien commencer quelque chose et le finir, donc on va la finir, on va la faire, ça sera un beau défi. J'aurai peut-être des cernes, je serai peut-être encore un petit peu plus lent parce que j'aurai encore bossé toute la nuit ou j'en sais rien, mais je vous retrouve dans 3 secondes, on va dire, quand la console est finie. Lundi 23 janvier, il est 18h15, je suis rincé, j'ai failli arrêter. Il faut savoir que j'ai passé hier toute la journée, j'ai arrêté on va dire 20h-22h, le temps de manger quoi. Je suis revenu et j'ai continué jusqu'à 10h au matin parce que bah j'ai plus le temps et faut que je reprenne les vidéos. Mais j'ai enfin fini, je te montre. YouTube, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, si t'as des questions sur comment j'ai fait, etc. En attendant, je te souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'est Mickaël Binford.